3, nous allons tout de suite vous présenter un démontage des disques durs. Donc je vous signale quand même, c'est des disques durs qui sont HS, hein, donc vous pouvez les prendre, les faire tomber, voilà, pas de soucis. Et donc pour ça, nous allons prendre une magnifique table, voilà. Donc ça c'est un PC sous 98, ça marche bien. Tiens, un cavalier qui est tombé ici. Donc pour démonter un disque dur, il nous faut un tournevis avec un embout de clé Allen. Simplement. Alors par contre, j'ai pris lequel. Donc on va commencer par démonter la carte, c'est le plus simple. Et voilà la carte. Et donc celui-là, il a l'air d'être bien renforcé, ce qu'on a. Alors, vous voyez, on va essayer de voir ça. Décidément, c'est du solide. Donc oui aussi, petit... Ah, putain, j'arrive pas à enlever ça. Petite précision, les disques durs sont que des Seagate. J'ai d'autres Western Digital qui traînent là-bas. Et bon, les Seagate, c'est... Tous ceux qui sont achetés, c'est Seagate. Donc, niveau fiabilité, voilà, je vous conseille du Western. Donc voilà, on va changer dans vous et de disque dur. Celui-là va être chier. Et donc, nous voilà avec un autre Western Digital qui tourne à 7200 tours. Et qui fait 40 gigas, si je me rappelle bien, 40 gigas. Donc c'est parti, on démonte les vis qui sont sur le dessus. Bien sûr, si on prend la vis. Voilà. On y voit le jour. Voilà. Alors ça c'est un disque. Donc par contre, pourquoi ça s'enlève pas? Ah bah oui, c'est l'aimant. C'est l'aimant qui est puissant. On lance un truc qui se tourne. D'accord. Voilà. Et donc ok, il y a une vis. Avis au prochain démonteur de Seagate. Donc nous voilà sur le disque. Donc on va faire tout de suite des tests. Donc c'est parti, nous allons faire un peu le test. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une alim, voilà. Alors, pour brancher l'alim qui est branchée au disque dur, donc attention là, c'est très sécurisé, on a branché ça sur une multiprise. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est très sécurisé. Et donc, c'est parti, nous allons allumer l'alim. Donc quand vous n'avez pas de carte mère pour allumer une alim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un fil sur le fil vert. Donc là, et après on la branche sur n'importe quel fil noir. Donc on prend le fil noir au hasard. Et voilà, la lime s'allume. Et c'est le mauvais disque dur. Ça, c'est celui-là qui a le moteur qui ne tourne plus. Donc comme vous voyez ici, c'est un mauvais disque dur, le moteur ne tourne plus. Donc voilà, c'est de la merde. Et ça se pète pas. Donc on va le jeter tout simplement par la fenêtre, parce qu'il nous fait chier. Tadam! Et donc nous voilà avec le disque dur. Alors lui, vous voyez, c'est un double disque pour 2 gigas, donc ça veut dire qu'il y a un disque de 1 giga et un deuxième disque de 1 giga. Donc, vous vous rendez compte, rien que lui, bah, vous comptez 40 disques, 40 disques comme ça. Donc c'est parti, nous allons brancher ça une fois avoir remis la carte mère. Ça, voilà. Et c'est parti, on remet la carte mère. Donc on va rebrancher la lime. Donc la lime, cette fois on va prendre du ATA, tout simplement. Ah, c'est déjà plus marrant. Ça démarre. Ah bah oui, c'est lui qui bug. Donc comme vous voyez, il est HS, il a des ralentissements. Ouais. Alors là, on peut s'amuser à faire des spirales.
pauvre tête. Meurs, meurs. Voilà, il a l'air d'être mort. Ah non. Voilà. Putain, la tête est résistante, hein. Je vais voir si t'as encore résisté longtemps. La tête va être un peu moins résistante maintenant. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que la bobine. Il est mort. Nous l'avons vaincu. Bon, bah maintenant, hein, plus qu'à le jeter par la fenêtre. Nous voilà pour voir un peu le résultat de ces magnifiques disques durs. Donc c'est parti, nous allons commencer par le premier qu'on a lancé. Donc d'apparence comme ça on se dit non ça va, il n'a pas eu grand chose à part quelques égratignures là, un impact par là et un impact par là. Mais bon, si on regarde mieux déjà le disque n'est plus vraiment très très rond et voilà quoi. il y a vraiment un gros jeu. Donc là ici on voit que l'aimant a bien été touché, on a une partie là. Et donc voilà en gros ce qu'on peut dire pour ce disque dur. Donc maintenant voilà, c'est mort. Donc c'est parti pour le deuxième disque dur. Donc lui là par contre c'est moins flagrant. Vous voyez là il y a juste là les bords là qui ont été touchés. Ils sont un peu arrondis. On voit pas grand chose comme ça. On se dit bon ça va, il n'y a rien eu, ça a l'air de tourner. Mais en fait c'est là la tête de lecture est totalement bloquée. Ici là c'était en hauteur et ça s'est enfoncé. Et donc voilà, ça ne tourne plus, c'est totalement bloqué, on ne peut plus rien faire. Vous en avez quelque part ? La déchetterie. Ah, ça tombe bien, j'ai des disques durs entassés ici. Ah bah c'est parfait, bon je vous montre. Allez, montez, c'est gentil. Est-ce que vous pouvez me tenir les disques durs parce que sinon ils vont se péter la gueule. Ah oui, bah. Oui. Voilà. Bon, alors nous allons aller à la déchetterie. Il faut faire attention à la route. Hop. Donc, comme vous voyez, là, il y a eu encore beaucoup de neige tout à l'heure à Saint-Loup. Bon, ça est en train de déneiger. Bon, il y a encore pas mal de neige. Tiens, je prends un peu. Ah, d'accord. Donc, Et donc voilà, c'était la fin du Retro Geeks News. Et merci à Pierre pour ses magnifiques GoPro et sa caméra. Et donc, à une prochaine fois, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur la chaîne YouTube et aussi sur Facebook ou Twitter. À bientôt.